السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La dernière fois, qu'alhamdulillah nous étions ensemble, qu'on nous peut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala, minimum 17 fois par jour, ihdina, guide-nous. Nous ne comprenons là-dedans, le verbe c'est ihdi, na c'est nous. En d'autres mots, c'est sa pronom personnel là qui est venu attacher pour venir, comme on dit en anglais, for us, pour nous. Si je voulais faire l'évine pour moi, moi attache juste un lettre ya, et dini. Comment nous gagnons? C'est quand nous guettons à la passeuse au bas. Nous ne comprenons que pour moi, nous mettons nié. Pour nous, nous mettons nous alif. Na. Pour toi, nous mettons ka. Pareil comme quand nous lisons dans la main, Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Toi. Pour autres, nous faisons kala vin koum. Comment nous te dire, chers frères, qui fait? Nous pouvons mettre l'emphase là, zis pour qui, surtout, nous prend conscience. Ça qui nous peut lier dans la main là, il y a un ayat Coran tout, qui cite sa moula. Il y a un ayat qui cite sa moula. Nous guettons pas 17. Rabbi, mon Rabbi. Donc de là, il est clair devant moi, il faut dire où trouve, quand on guette le mot Rabbi, on trouve le mot Rab, détaché avec Yéla. Parce qu'il est capable de tirer Yéla ou Chansli ou amener le pronom personnel. Il faut dire quand on guette, on trouve ça, c'est-à-dire. Ça y est la fin là, il a ajouté pour faire l'ivine pour moi. Rabbi. Ou pour gagner dans le Coran, dans surah Taha, ayat 114, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُ. Pas précipite la lecture du Coran avant qui وَحْي descende. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dire au mon Rab, augmente vos connaissances. En parenthèse, nous dire, celle qui chose qui dans le Coran vini spécifiquement pour nous demander à Allah pour augmenter, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Et quand je dis que le Coran n'est pas de nous pour nous augmenter nos iman, mais quand je dis que nos connaissances augmentent, automatique qui peut augmenter, c'est l'iman qui augmente, frère. Quand je dis que nos iman augmentent, automatique qui augmente, c'est une bonne action augmentée. Tout retourne nos connaissances là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, enseigne nous pour dire. Rabbi zidni ilma. Au mot Rab, augmente vos connaissances. Nous faisons divin au pluriel. Rabbi pour moi. Sa même doua. Rabbi, au mot Rab, m'a envie de dire pour nous. Qui me dit? Rabbuna. Rabbuna. Pas ayat là là. Mais seulement. Ou est-ce qu'on a la différence quand on met le pronom personnel, oui ou non? Dans Surah Al-Imran, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut cause la création, le ayat 192 qui dit, il fait nous connaître le bandimoun qui réfléchit dans la création des ciels et la terre, quand je dis, Rabbana ma khalaqta hadha batwila, Rabbana ma khalaqta hadha batwila.
Kuma utan sada namaz Rabbana. Vous finissez qu'on est bien jeksan ala. Rab. Veut dire c'est un doua qui pas une seule qui peut demander là. On Rab. Les temps où prend ça l'exemple là, là moi je comprends qu'il fait depuis petit montagne et un livre qui appelle 40 Rabbana. C'est quoi ça 40 Rabbana? C'est 40 ayat Coran qui commence par Rabbana, Onu Rab. Onu Rab, qui est une invocation qui nous demande Allah là-dedans. Donc un frère, il prend sa 40 ayat Coran, il met tout ensemble. Qui fait nous préciser ça pour qu'il demain, ou pas dire lui, Rabbana t'a fait du salam. Rabbana t'a fait du salam. Rabbana t'a fait du salam. Non, un doua ça. Un doua qu'on nous fait, il faudrait l'équiper à la prison. Il faudrait me comprendre et me demander avec frayeur et l'espoir. Quand nous avons le troisième Rabbouka, ton Rab, vous avez dit sur la Fajr. Pourtant, ou apprendre arabe, ou peut sans bon pronom personnel, mais même ou sans lit, connaît une ayat Coran ou là. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Wal fajri wal layalin ashri wal shafri wal wat, ou lia ou vini même, et ce qui arrive, inna rabbaka, comment ils font dans ça? Certainement ton Rab. Veut dire quand l'imam peut lire ça, quand je peux tendre ça à ayat là, moi. Veut dire ayat là fait quoi ça? Fait quoi ça, moi là. Regarde comment il était à se dire. Quand il y a nous, Rabboukoum. Par exemple, dans le surah Al-Isra, quand Allah dit Rabboukoum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ton Rab kon de zot nafskina. Si tu es un bon djimoun, lui, parmi les premiers pour pardonner Dieu. Veut dire, il connaît nous sincérité à l'intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Je peux prendre la main depuis ici, je peux retourner à l'arrière. Parce qu'il nous peut un imam dire ça. Nous donne un mans à nous. Rabbukum a'lamu, Rabbukum. Veut dire, nous tous nous robes là. Mais ça même imam, quand il y a sur la Fajr, quand il dit Inna Rabbaka, là qu'elle peut mettre plus en face de où là. L'eau, quand peut dire je, ou bien quand peut dire toi. Quand peut dire toi. Vous voyez comment ils sont donnés dans la masse là. Quand peut dire nous, veut dire moi, on s'en met que ça diamant là. Mais seulement quand peut dire moi, Inna Rabbaka la birmirsad, certainement ton Rab. Mais bien qu'on pense, qui veut dire Mirsad? Qui veut dire Mirsad? Parce qu'il met l'emphase là, là, Allah pas dit Inna Rabbukum labir Mirsad, Inna Rabbakum labir Mirsad. Non, il dit Inna Rabbaka, il précise moi là. L'état va le checker à ce labir Mirsad, il ne veut pas dire trouver, il ne veut pas dire guetter, il veut dire surveiller. Sans aucune distraction. Vous avez un petit baba, la moindre inattention qui arrive, ou donnez, qui arrive. Un secours de cassable au matelas est tombé, oui non. Un secours de cassable dans l'escalier, oui non. Un secours de médecin sur la bouche, oui non. Veut dire qu'on peut guetter là, oublier tout dans un entour, oui non. Oublier tout dans un entour, qui fait? Parce que je suis là pour guetter là. Walillahi al-mathalul a'la, et pour Allah plus grand exemple. Quand on dit nous, inna rabbaka labil mirsad, Allah kazu geti de surah Fajj, ça ken parmi nous, sans qu'il y diminue pour une personne ce regard, Allah subhanahu wa ta'ala peut suivre nous, dans chaque mouvement qu'il nous fait. Ça qui veut dire labil mirsad, frère. Vous connaissez à quel niveau? Je vais assister. Vous trouvez un livre de mon ami. En bas, c'est l'ami qui met ce livre là. Ou vous trouvez comme vous les doigts là, moi, parce que le livre là couvert. Mais ça, action bouge les doigts en bas livre là. Allah peut guetter là, oui, non.
Ça qui appelle surveiller, frère. Ça qui appelle surveiller. Il y avait veillé, il peut surveiller. Veut dire pays n'a non qui passe à l'extérieur ou bien à l'intérieur de moi, excepté qu'il y a là au courant, oui non. Ça qui amène nous pour comprendre qui fait dans certains ayats Allah servi pour nous personnels, nous ou bien pour moi. La divine différente. Parce que ça qu'il y a cette façon qui Allah met ce l'emphase. Ensuite, au bougain, Allah Rabbi, au bougain de la page 17 même, veut dire à partir de là, ou capable, on dirait pratiquer ou même master. Rasouli, Rasouluna, Rasouluka, Rasouloukoum, Walikoum Sastir. Quand nous venons à la page 18, l'exemple qui vivant avec nous, Sastir. Nous terminons là. Allahumma hdini fi man hadayt. C'est qui doit ça? Doit kunut namaz 8 heures. Allahumma hdini fi man hadayt. Ok. Là, on finit qu'on comprend Allahumma hdini. Oh la guide, qui s'en a? Moi. Demain dans la case, j'étais mon père faire 8 heures. Mes enfants viennent avec moi, mon madame vient avec moi. Nous faisons 8 heures ensemble. Ok. Beleta ou lève la main pour faire dehors, ou dire Allah mahdini. Quand il y a un calot de namaz. Parce que j'ai dit, fais dehors, c'est pour toi. Je dis, toi là. Parce qu'il a qui doit bien dire Allah mahdi. Vous trouvez quoi, il s'en tout, frère? Parce qu'il a nous tous ensemble là. Tu n'as pas qu'à dire Allah mahdini. D'une autre façon, demain, on a une place et un frère peut faire dehors. Comment on t'en dit, Allahumma fidli, Allah. Ou peut-être dire Amin pour dire hier. Il peut demander la parole pour lui. Je dis Amin pour la parole de lui. Mais moi, qui me fait la mort? Non, moi, tous lui. Allahumma fidli, ou la parole de nous. Parce qu'il est obligé de mettre nous ici ensemble, oui, non. Get comment il change? Get comment il change, ben donner, cher frère. Donc, pareil, comme ça même, comment nous dire, get Rabbi Hdini, ou bien Rabbana Hdina. Ça y est là. Quand Livine au pluriel, Livine, non. Ça qui pourra avec nous, Inch'Allah, lundi. Juste comme un rappel, je finis à mener. Non, sorry. Continue ça passe 32 là. Après ça qui vient. Sorry. Nous terminons. Après, dans le passe 34 pour lundi. Passe 32. Allahumma fil li. Allahumma fil lana. Qui fait une amène ça ici? Parce que quand nous on décide de Rabbi Fil li, il y a une lame qui vient. Il ne faut pas ou penser Rabbi Fil li, ou dire ou faire rela vin avec qui est là. Rabbi Fil li. Rabbi Fil lana. Sa lame là, vient prononcer ça. Le mot Rafara, il n'est pas propre au personnel directement. Bizan met une lame avec lui. Dans la grammaire arabe, ça même qu'une belle taradi. Veut dire bizan l'état on dit pour attacher un pronom personnel avec lui ou pas attacher un pronom personnel direct avec lui. Rabbi irfil li obligé dans sa lame là. Rabbi irfil lana. Et non pas Rabbi irfil li ou penser ça ré là qui vient avec ça y là. Ça c'est juste pour attirer notre attention.